Ce soir, c'est une julienne, donc c'est un bouillon. Voilà, avec tout simplement tartines, fromage, oui, tranches de gruyère et de salami. Maintenant, voilà, il y a plein de petites choses, il y a de l'américain, il y a du jambon, il y a quoi d'autre, du surimi aussi. Oui, ma patate. Tiens. Ça va, t'y arrives, toi? Oh, oh. C'est pas grave. Gardez-moi ça. Bonjour, vous êtes de garde? Je crois que... Nous avons rajouté des haricots blancs. C'est pas comme celle de d'habitude. Pourquoi? Je sais pas, la différence. Tu trouves pas? Hein? Si, elle est bonne, mais elle est différente de celle que tu fais. Moi, j'adore. Bah. Ah, ton père. Non, je vais pas dire. Bah, du pardon, au moins. En plus, tu passes devant. C'est pas. Haricots, oh, zut. C'est des haricots, j'en connais, on sait, hein. Je n'avais jamais vu des choses. Peut-être qu'il a cherché un. Il m'aura réclamé, je crois que je ne suis pas venue. Tiens ma patate. Ton père était sûrement dans le coma, Carole. Je me suis tellement habituée à la façon de ma mère que je ne sais plus. Parce que mes souvenirs de lui sont. Et par contre, les faillots, vous avez abusé. On a mis deux grosses boîtes d'haricots blancs. Maman, elle a pris celui-là, toi, j'ai pris celui-là. Ça ne m'étonne pas. Non, mais. J'achète d'abord celui-ci, attends. Gaspillage. Après qu'il nous ait quittés, maman n'arrêtait pas de dire qu'il ne fallait jamais être dépendant des autres. Oui. Maintenant qu'on a retrouvé quelqu'un, c'est moi qui fais les pots cassés. C'est pas formidable? Oh, mais. Ça va faire du bien à ton estomac, ça. Oh, mais là, tu vas. T'as exagéré en gruyère. J'en ai mis un peu, moi. Là, j'ai déjà.